l'école maternelle, y'a un petit nounours qui connaît les tournelles des aventures. Et on a mon mini-nounours, oh mini-nounours, raconte-nous une histoire. Et pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que vous êtes en liberté conditionnelle. C'est vrai. Et c'est pourquoi, suite à de mauvaises décisions médicales, que j'ai du psoriasis dans le cucu. Au départ, on vous avait juste posé une question de mathématiques. Bon, ben, le nouvel élève n'aura fait qu'un jour. Alors, je vois qu'il y a un ours violet et un cheval multicolore. Hé, on vous entend, les gars. Et je crois que c'est pas ultra légal de tuer des enfants. Oh putain, il est là. Tire. Mais vous êtes malade ou quoi? Terroriste! Chacha, va négocier avec tes cousins. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Terroriste! On régule la population animale! C'est hyper important pour l'environnement! On est des écolos, putain! Et ta population, bâtard! On la régule comment? Il nous a traités de bâtards! Bâtard! Viens le dire, là! Espèce de bâtard! Laissez-moi leur parler. De quoi? L'amour triomphe toujours. Attends, licorne, je suis pas sûr. Chers amis! Je comprends vos motivations en termes environnementaux. Néanmoins, je pense que la violence n'est jamais la solution. Enfoiré ! Bâtard ! T'as bien de la chance qu'il y ait une fenêtre qui nous sépare. Bâtard ! Vas-y, entre. Je te couvre. Ils arrivent ? Ouais, je crois. Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas. Allez vous cacher derrière mon bureau. C'est bon, le gros ours violet est mort. Tu vas voir si je suis mort, enfoiré. Allez, foutez le camp. Et allez dire à vos potes qu'on est des animaux, putain. Vous compris? On est des êtres vivants comme les autres. Et quand on chasse, on le fait ni par plaisir, ni pour l'industrie, ni pour faire des manteaux. On le fait parce qu'on a la dalle. Bâtard. Tu crois que ça se mange, ça? Je sais pas. Tu veux qu'on tente ? Non, hey, bouffez pas ça, on sait pas où ça traînait, hein. C'est périmé, c'est plein de maladies, il paraît que ça a viné jusqu'à la moelle. Même moi, je peux pas. Allez, foutez ça au compost. C'est pas tout à l'heure qu'il parlait d'écologie ? Et ben comme ça, ils pourront bien aider la terre. Oh, ça va. Mini-nours. Dis, mini-nours, pourquoi il y a une fenêtre qui est nickel et une fenêtre qui est toute branque-ballante? Depuis que les chasseurs ont attaqué l'école, nous avons fait appel à des ouvriers pour réparer leurs méfaits. Et c'est une superbe occasion pour moi de montrer les différences entre un travail bien fait, waouh, et un travail mal fait, à savoir un travail d'arabe. C'est raciste. Non, c'est réaliste. Cette fenêtre a vraiment été retapée par des ouvriers arabes, tandis que celle-ci par des ouvriers ukrainiens. Et force est de constater qu'il y a une légère différence entre les deux œuvres. Cochonnet, tu préfères la fenêtre de droite ou la fenêtre de gauche? Celle qui est à droite. Bon, ça fait de Cochonnet quelqu'un de raciste. Et puis merde, je suis en train de dire que les immigrés font un travail de qualité. En termes de progrès, je peux pas mieux faire. Les Ukrainiens sont en guerre, comme les Syriens. Et faire des comparaisons entre les deux, c'est tout sauf progressiste. Mais nous, c'est unioniste. Et ben c'est bien. Comment ça, c'est bien? Vous trouvez ça bien, la guerre? Ouais, je trouve ça bien. Je trouve ça même hyper bien. Vous êtes de pire en pire. Réaliste, j'insiste, réaliste. Je veux bien accueillir toute la misère du monde, Chacha. D'accord, tant qu'elle est qualifiée et pas chère. Moi, mon papa, il a accueilli une Ukrainienne. Et ils revont la fenêtre de sa chambre tous les soirs. Et même que je les entends, et ça a l'air difficile. Mais mon papa, il a l'air content. Tous les matins, il me dit qu'elle est très qualifiée. Tu vois? Qualifiée, te dis-je. Et j'en ai marre, moi, de me faire traiter de raciste. C'est violent, Chacha. Et pour vous prouver que je suis pas raciste, on va écouter du raï. C'est exotique. Bonjour, on vient finir la fenêtre aujourd'hui. Et désolé pour le dérangement encore, on a bricolé un truc en attendant la livraison de cette deuxième fenêtre. Vous êtes des Arabes d'Ukraine? Non. Ukrainiens d'Afrique? Non plus, on est Arabes d'Algérie. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous laisse vous débrouiller avec ça, mini-nours. Mais justement, cet événement est une exception et ce qui compte, ce ne sont pas les généralités. C'est ça que je voulais vous montrer. Les clichés n'existent pas pour rien. Un arabe pose une bombe et tous les arabes sont des terroristes. Un arabe pose une fenêtre convenablement et pourtant tous les arabes font un travail dégueulasse. Je vous suis plus, mini-mours. On a fini. Désolé, il manque 0,02 mm sur la droite, mais ça devrait pas poser de problème. Ah 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 ! Exactement ce que je disais !